Salut et bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez écouter la musique dans votre voiture ou tout simplement faire recharger votre téléphone portable. Et pour pouvoir écouter la musique que vous souhaitez et la mettre sur les enceintes de votre voiture, il vous faudrait pour cela un transmetteur FM qui, en le branchant, va vous permettre d'envoyer la musique sur l'autoradio via le Bluetooth et aussi de recharger votre téléphone portable. Comme d'habitude, je vous ai classé ce top 3 dans l'ordre croissant en fonction du prix. Et vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. On va commencer tout de suite avec le premier, qui est le transmetteur FM Bluetooth de la marque Dear PR Blue, parfait pour utiliser dans une voiture. Il s'agit là d'un adaptateur simple avec tous les accessoires dont vous aurez besoin pour premièrement connecter votre téléphone via le Bluetooth à votre autoradio, répondre à un appel par exemple. Et vous pourrez donc soit écouter votre musique via le Bluetooth ou alors si vous avez des musiques sur clé USB, c'est possible, voire même sur micro SD. Et tout simplement, il vous faudra donc avoir un allume-cigare dans votre voiture pour pouvoir le brancher. Et il sera compatible avec quasiment tous les téléphones, comme l'iPhone, les téléphones Apple donc, ou Android, et aussi donc sur tous les véhicules. Vous allez pouvoir aussi utiliser Siri pour passer les appels téléphoniques, tout simplement donc en appuyant sur le bouton du milieu. On va pouvoir aussi régler le volume de la musique directement sur le transmetteur FM. Et bien entendu, on pourra faire recharger jusqu'à deux téléphones. Et un autre petit plus, on a un petit bouton sur le côté qui va permettre d'éclairer le transmetteur FM avec une petite lumière multicolore. Ça peut faire donc une petite ambiance plutôt sympa dans votre voiture lorsque vous êtes par exemple avec des amis en retard à des clients qui sont très contents qu'on a le choix entre plusieurs couleurs d'éclairage. Il s'agit là d'un transmetteur FM très recommandé. Et on arrive au deuxième qui est le Kokoda transmetteur FM Bluetooth. Celui-là est un petit peu ressemblant à celui qu'on vient de voir. On retrouvera des boutons un petit peu similaires. Il dispose d'un écran LED avec une lumière bleue autour. On n'aura pas donc une lumière multicolore comme celui qu'on vient de voir juste avant. Vous allez pouvoir faire recharger votre téléphone via deux ports USB. Vous pouvez avec celui-là aussi téléphoner à un ami via le kit main libre. Et pareil, donc vous pouvez soit le mettre sur clé USB, soit via une petite carte mémoire ou directement avec le Bluetooth de votre téléphone. Et ça reste donc très simple à faire. Il vous faudra tout simplement l'installer dans l'allume-cigare et ensuite régler la radio. Bref, ça sera vraiment un jeu d'enfant. Et on arrive déjà au dernier qui est le Nulaxi transmetteur FM Bluetooth. Celui-là sera légèrement plus cher, mais par contre on va avoir un joli petit écran. Ça sera vraiment pratique donc pour faire les réglages et aussi par exemple pour répondre à un appel, car vous n'aurez pas besoin de regarder votre téléphone, tout sera indiqué dessus. Sur l'écran, on verra donc la musique en cours avec les petites courbes de couleurs qui vont augmenter et diminuer en fonction du rythme de la musique. Et bien entendu, sur celui-là, vous aurez plus d'informations comme le numéro de téléphone entrant, les canaux FM, la durée de la musique que vous écoutez. De plus, on aura un microphone qui est ajouté sur ce transmetteur FM. Ça permettra donc de bien capter votre voix. Si par exemple, vous utilisez l'appel main libre, et pareil, vous allez pouvoir soit mettre une clé USB, le Bluetooth, et même un câble auxiliaire par exemple. Vous allez pouvoir aussi avec utiliser Siri, Google Assistant, pour pouvoir lui demander d'écrire un message, de changer une musique, ou tout simplement d'appeler quelqu'un. Et aussi, il sera facilement inclinable. Vous allez vraiment pouvoir l'orienter vers vous. Et ça, je vous avoue que c'est plutôt pratique. On notera des avis clients qu'il s'agit d'un bon prix, et il est facile à utiliser, qu'il s'agit d'un petit appareil génial avec une qualité sonore incroyable, très recommandé par les clients. Si vous souhaitez comparer les prix et regarder plus dans le détail les caractéristiques de chacun des produits, je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo. Ça vous évitera aussi d'avoir recherché par vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et surtout vous a été utile. Mettez-moi un énorme pouce bleu si c'est le cas. Et moi je vous dis à la prochaine, j'espère. Ciao.